La spiritualité, nous avons besoin de ce que nous travaillons pour le commun. Bonjour peuple congolais, bonjour peuple du tiers-monde, bonjour peuple d'Afrique. Comme je vous l'ai dit toujours, nous sommes des lanceuses d'alerte. Nous sommes là pour venir vous donner l'information en temps réel, pour venir partager l'information avec vous. Chers du tiers-monde, peuple africain, peuple congolais, chaque jour qui se lève, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, cette bénédiction-là, nous devons la cajoler, nous devons la prendre précieusement parce qu'il y en a parmi nous qui ont voulu être avec nous, mais qui ne sont pas là et que Dieu a repris dans son royaume. Chers compatriotes, nous devons être utiles dans la vie. Moi, je me lève aujourd'hui. Comme je le dis, je suis là pour venir parler de la situation qui se passe dans mon pays, dans mon continent. Que nous voulons faire la politique, que nous ne voulons pas faire la politique, mais la politique nous atteint là où nous sommes. Les règles, les lois que nous respectons, c'est la politique. Mais sauf qu'il y en a qui sont impliqués et il y en a qui ne sont pas impliqués. Et nous qui avons cette chance-là d'avoir... ce temps d'avoir le courage, de l'énergie et la détermination, peut-être même choisie par Dieu pour venir vers vous, pour venir parmi vous, vous informer l'information qu'on vous a privée, l'information que les dictateurs africains, les dictateurs, les leaders de notre pays, de nos pays respectifs, nous ont privée. Donc moi, je suis là, je me lève, je ne suis pas payée pour ça, mais je me dis que je dois me lever pour informer mon peuple, pour informer le peuple de Dieu, pour informer ce peuple africain à qui on a privé de l'information. Donc, je vous dis que je me refuse ce droit de voir le mal et de ne pas le dire et de participer et de voir le danger de me taire et de ne rien faire. Donc, mes chers compatriotes, je le fais par amour, mais je pense que je ne suis pas plus, je n'aime pas, je ne sais pas que je suis
celles qui aiment ce continent ou qui aiment ce pays plus que vous. Mais sauf que je me suis dédiée et je me suis donné de mon temps pour venir partager les nouvelles et les messages avec vous. Peuple de Dieu, peuple du monde entier, nous devons prier pour notre continent. Nous devons donner de notre temps spirituellement. Vous avez même vu que quand je commence mes vidéos maintenant, je les commence avec des chansons spirituelles, des chansons qui me donnent qui m'emmènent vers vous dans la joie pour pouvoir partager les nouvelles de mon pays. Chers compatriotes, il y a une tension entre le FMI et Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, qui veut la paix prépare la guerre. Et je pense que nous sommes tous, nous sommes beaucoup d'Africains, nous sommes beaucoup de Congolais qui voulons cette paix-là. Donc nous devons être prêtes et nous devons nous préparer pour une guerre. Une guerre, quand on va dans une guerre, on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre. Mais on va pour le but de gagner la guerre. Et moi, je vous dis que je me suis engagée dans cette lutte de la paix dans mon pays, dans mon continent. Et je suis consciente que je vais la gagner parce que je suis en train de me battre pour une cause qui est juste. Donc, comme je venais de le dire, qui veut son bien-être se bat pour se la procurer. Donc moi, je veux le bien-être de l'Afrique et je veux le bien-être de mon pays, le Congo. Et je refuse que je sois celle qui est venue participer, Denis Sassou Nguesso, ou qui est venue accompagner ces leaders africains qui pensent qu'ils ont le monopole de nous maltraiter, ils ont le monopole de nous massacrer comme ils veulent et que nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants de Dieu, on est venus dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde pour les accompagner. Et je me refuse ce droit-là. C'est pour ça que je me lève pour venir vous parler, pour venir vous sensibiliser, mobiliser, en vous disant que quittez la peur, soyons tous ensemble pour libérer notre pays. Donc, mes chers compatriotes, voilà, c'est pour ça que je me suis donné dans cette, je me suis lancée dans cette aventure de lutter contre ceux qui ont les armes. Et moi, je n'ai que ma bouche et ma bouche, mon temps, mon courage et ma caméra, les réseaux sociaux qui aujourd'hui m'ont permis de partager avec vous, qui aujourd'hui qui ont fait que j'ai le soutien de ces gens qui pensent que je suis en train de faire un combat qui est nécessaire et un combat qui est important pour un peuple. Donc voilà, le Congolais vit dans une prison à ciel ouvert. Le Congolais est pris en otage par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc, moi, je suis là pour venir vous dire, mes chers compatriotes, nous devons nous battre pour libérer notre pays. Mon pays, terre d'espoir. Le Congo, c'est un sol d'espoir. C'est un continent d'espoir. L'Afrique, c'est un continent d'espoir. Terre d'avenir qui est en ruine par ces irresponsables, par ces dirigeants irresponsables, par ces dirigeants, à cause de ces individus qui sont inconscients, qui pensent que nous sommes leurs accompagnateurs, qui pensent que nous sommes lâches. Mais mes chers compatriotes, je pense que c'est vous qui êtes lâches parce que vous nous battez avec notre argent en achetant les armes. Mais nous nous battons pacifiquement. Et je sais que toutes les révolutions, le peuple a toujours gagné. La France a fait 100 ans de révolution avant d'avoir cette démocratie ou avoir le mode de vie qu'ils ont aujourd'hui. Mandela a passé 27 ans en prison.
Mais il a fini par gagner son combat. Donc nous autres, là aussi, on fait ce combat pour ne pas que ça soit ça soit bénéfique que pour nous, mais c'est pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qui sachent que nous, on s'est battu pour que eux, ils aient le bonheur, qu'ils aient ce mode de vie qu'ils viennent trouver dans ce monde. Parce que nous voulons être pas ceux qui ont causé le malheur de nos enfants. Nous ne voulons pas être ceux qui ont causé la désolation. Mais nous avons un groupe de personnes. Nous avons ce groupe de personnes, des dirigeants africains, à qui on a placé, qui sont là comme des marionnettes, à faire souffrir leur propre peuple. Le Congo a besoin d'un nettoyage. Parce que je vois qu'aujourd'hui, on est en train de parler au Congo où il y aura la conférence nationale, il y aura les élections de 2021, il y a pas mal de choses. Nous ne pouvons pas aller aux élections nous ne pouvons pas parler des élections 2021 tout pendant que le Congo n'a pas été nettoyé. Nous ne pouvons pas parler de la conférence tout pendant que Denis Sassou Nguesso, celui qui est le leader, c'est lui qui va être le leader de la conférence et il va choisir les personnes qu'il veut dans cette conférence. Donc nous, en tant que la diaspora déterminée, la diaspora qui veut le changement dans notre pays, nous exigeons purement et simplement que le dialogue, la conférence, les élections du Congo vont se faire sans Denis Sassou Nguesso. Si aujourd'hui les gens viennent pour vous dire ils vont se présenter aux élections 2021, mais ils viennent parce qu'ils ont été désignés par Denis Sassou Nguesso. Mais ceux qui veulent les élections transparentes ne voudront pas les faire avec Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est notre virus du mal. Denis Sassou Nguesso est le malheur du Congolais. Donc, nous voulons aller aux élections transparentes. Vous avez vu qu'on a même, avec la conférence nationale, il y avait les lois qui ont été établies. Mais Denis Sassou Nguesso les a violées. Donc, dites-moi aujourd'hui, si nous allons aux élections, qu'est-ce qui va faire que ce sont les adversaires ou les opposants c'est l'opposition qui va gagner. L'opposition ne va jamais gagner les élections. Tout pendant que ces élections sont dirigées par Denis Sassou Nguesso. Donc, peuple congolais, je vous demande d'être vigilant, d'être debout, parce que il y a une tension qui est là entre Denis Sassou Nguesso et le FMI. Et si vous, le peuple congolais, c'est le moment de saisir cette occasion pour vous faire entendre. Moi, j'invite à tous les Congolais de se lever, de se faire entendre, de manifester. Parce que Denis Sassou Nguesso est dans une situation, en ce moment, il est quand même dans une situation qui est imbalance, déséquilibrée, voilà. Il est dans une situation qui est déséquilibrée. Donc, nous le Congolais, comme je dis que Denis Sassou Nguesso est juste sur le bord de la rive, du fleuve. Donc, si nous, le peuple congolais, nous nous levons, nous le poussons un tout petit peu, Denis Sassou Nguesso va se retrouver dans le ravin ou va se retrouver dans le fleuve. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je vous demande, le verdict de FMI va se prononcer le 5 juillet. Donc, je demande au peuple congolais d'être vigilant, présent, et de regarder cette situation de près, et si possible, si nous pouvons se lever à cette date, je pense que ça serait une bonne chose pour le Congolais, parce que en ce moment, Denis Sassou Nguesso est instable. Donc, c'est pour ça que je demande au peuple congolais de se lever, que ce combat soit le combat de tous les Congolais. Que le combat que nous menons, nous, la diaspora, parce que le Congo n'appartient pas à la diaspora. Le Congo n'appartient pas aux individus qui sont en train de se battre, mais le Congo appartient à tout le Congolais. Donc, c'est pour ça que je demande aux Congolais, le Congo a besoin d'un nettoyage de fond, d'un nettoyage
qui doit faire dégager tout ce groupe de Denis Sassou Nguesso, que son groupe, que Denis Sassou Nguesso et son groupe de vagabonds puissent dégager. Et c'est là que nous pouvons regarder qu'est-ce que nous pourrons faire. Nous savons déjà qu'est-ce que nous pourrons faire. Mais ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire, c'est sans Denis Sassou Nguesso. Avec la présence de Denis Sassou Nguesso, rien ne pourra se faire parce que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. Et vous allez voir le bilan de Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans. Elle est comment? Il est comment? Il est catastrophique. Il est catastrophique. Nous n'avons pas vu de changement au Congo. Sauf le changement que nous avons vu au Congo, c'est le changement en pire. Donc c'est pour ça que je demande au peuple congolais, je demande à tous les Congolais de se lever, car ce combat, et ça vous regarde, vous les Congolais. Nous ne pouvons rien faire avec Denis Sassou Nguesso. Notre virus du mal, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc nous devons le comprendre de nos jours. Donc une fois que nous allons dégager Denis Sassou Nguesso, c'est là que nous pourrons parler des élections et nous pourrons parler de la conférence, parce que notre conférence doit se faire sans Denis Sassou Nguesso. Donc mes chers compatriotes, aller en conférence avec Denis Sassou Nguesso, c'est comme si on est allé se donner dans la gueule du loup. Vous avez vu que tout ce qui a été organisé avec Denis Sassou Nguesso, il n'y a jamais eu le changement, il n'y a jamais eu d'autres personnes qui ont gagné. C'est toujours le clan de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous ne voulons plus cela et nous exigeons que Denis Sassou Nguesso, tout ce qui va se faire au Congo, que ça soit fait sans la présence de Denis Sassou Nguesso. Nous ne voulons pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso, car l'expérience de Denis Sassou Nguesso est négative. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a appris au peuple congolais, si ce n'est pas les massacres, si ce n'est pas l'insécurité, la violence, les viols, la pédophilie, le non-respect, les hommes, tout ce qui est négatif, c'est ce que Denis Sassou Nguesso a apporté dans ce pays. Donc, je ne vois pas pourquoi nous allons se servir de l'exemple de Denis Sassou Nguesso pour pouvoir changer, emmener notre pays dans un changement positif. Donc, c'est pour ça que je dis, je me dis que le Congo ne va pas aller aux élections présidentielles ou à la conférence avec Denis Sassou Nguesso ou avec la présence de Denis Sassou Nguesso. Je le dis haut. Et je viens devant les médias, devant les réseaux sociaux, pour vous annoncer, pour vous informer, peuple congolais, s'il y a la conférence avec Denis Sassou Nguesso, il n'y aura pas de changement. Ça serait toujours le système de Denis Sassou Nguesso qui va continuer. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, on nous parle de Andrea Gombe. Andrea Gombe ne sera jamais... Bon, je ne comprends pas. Quelles sont les garanties de Andrea Gombe d'aller aux élections de 2021? Si aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, qui avait toute une armée, qui avait des pouvoirs dans ce pays, aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, élu du peuple, se retrouve en prison. L'opposition, tous les opposants politiques aujourd'hui se retrouvent en prison. Qu'est-ce qui va dire, qu'est-ce qui va garantir que ce jeune homme va gagner les élections présidentielles? C'est une manipulation de Denis Sassou Nguesso pour prouver aux institutions internationales pour dire que il y a la démocratie et il y a l'opposition pour se faire financer ces élections, pour encore utiliser cet argent, pour utiliser cet argent, s'enrichir avec son groupe comme ils ont l'habitude de le faire. Le terrain congolais, le Congo, c'est un terrain miné, c'est un terrain qui est très sale, qui ne peut pas accueillir les élections présidentielles ou les élections libres et transparentes. Donc cela, ça serait une manipulation de Denis Sassou Nguesso et c'est une façon, si nous on se dit qu'on va aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso, ceci dit qu'on est allé, la diaspora est allée satisfaire les besoins de Denis Sassou Nguesso, où on est allé l'accompagner dans sa bêtise.
Donc nous, la diaspora déterminée, on refuse ce coup de, on refuse de donner l'occasion à Denis Sassou Nguesso de faire encore le coup d'État, le hold-up électoral. Donc nous ne pouvons pas aller aux élections ou à la conférence dirigée par Denis Sassou Nguesso, par le tyran de Denis Sassou Nguesso. Nous le refusons catégoriquement. Tout boy ko kinena ba élection, tout boy ba conférence nationale à Denis Sassou Nguesso, parce que tout yebi que ce tokena Denis Sassou Nguesso et que vous allez encore ba élection ba conférence ou ba truqué et que vous allez makam. Donc tout boy to ko kinena ba élection à Denis Sassou Nguesso te. Nous, la vraie diaspora, la diaspora déterminée, ce que nous déclarons que la conférence, les élections soient faites, organisées par une nouvelle génération, par une nouvelle génération et par la jeunesse qui a été hypothéquée, la jeunesse à qui on a tout ravi, on a tout privé. Donc, on ne peut, on ne, on ne peut, on ne, on refuse de faire des trucs avec Denis Sassou Nguesso. On refuse de faire des trucs avec Denis Sassou Nguesso, le tyran de Denis Sassou Nguesso. Bon, on va aller en conférence avec Denis Sassou Nguesso, une personne qui a le sang des Congolais dans les mains. Une personne qui, par son gouvernement, il y a eu des viols, il y a eu le massacre de Bitche, il y a eu le massacre dans le Poule, il y a eu cette explosion du 4 mars. Il y a eu le massacre de Chacona. Et aujourd'hui, nous avons nos étudiants qu'on a été prendre, qu'on a rapatriés au Congo parce que ces étudiants-là ont déclaré, simplement, c'est aussi simple que ça, ont déclaré que leur dû, c'est-à-dire leur bourse. Mais ces étudiants ont été punis, traqués par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Ils se envoyaient une délégation pour aller les chercher. Aujourd'hui, ces étudiants se retrouvent au Congo sans avenir. Et ça, c'est une personne avec qui nous. Donc, si Denis Sassou Nguesso, pendant 40 ans, il n'a rien changé, dites-nous qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso va changer pour les années à venir. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il a peut-être 70, il a plus que 70 ans. Il a peut-être 80 ans. Donc dites-moi, pour le peu d'années où la tête ne réfléchit plus correctement, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso va changer pour le peuple congolais? Denis Sassou Nguesso a déjà enrichi sa famille. Denis Sassou Nguesso est en train de se battre et est en train de rentrer les armes pour protéger ce qu'il a volé du peuple congolais. Donc nous devons laisser cette politique de sentiment. Nous devons attaquer. Nous devons attaquer Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Même les organismes internationaux qui supportent Denis Sassou Nguesso, qui soutiennent Denis Sassou Nguesso, la France qui soutient Denis Sassou Nguesso. La France peut nous dire qu'il y a eu un président dans la France qui est resté plus que 40 ans au pouvoir. Même François Mitterrand, qui a été aimé par les Français, François Mitterrand n'a pas fait 40 ans. Pourquoi est-ce que nous. Donc, ça veut dire que si vous soutenez Denis Sassou Nguesso de rester au pouvoir, ou vous soutenez ces leaders-là qui restent au pouvoir, ça veut dire que ces leaders-là sont beaucoup plus intelligents que vous. Puisque vous qui les soutenez là, vous ne restez pas plus que 2 mandats. Et nous avons presque, je ne sais pas, on n'a pas connu d'autres présidents que Denis Sassou Nguesso. On n'a pas connu le changement que Denis Sassou Nguesso. Pourquoi vous maintenez un assassin? Vous maintenez un génocidaire? Vous maintenez un terroriste qui fera même le mal à votre pays? Je ne vous comprends pas, vous les Occidentaux là. Chers compatriotes, c'est pour ça que je dis notre mal, l'Afrique, doit se battre parce que nous ne devons pas attendre ces Occidentaux, parce que ces Occidentaux, ils se battent aussi pour leurs propres intérêts. En fait, les Occidentaux aujourd'hui, ils ont oublié de travailler pour le peuple, mais maintenant ils travaillent pour les individus.
Le Congo est pris en otage pendant 40 ans. Nous sommes là devant ces organismes internationaux qui font semblant de ne pas savoir ce qui se passe chez nous et nous devons être là pour attendre. Attendre quoi et attendre qui? Attendre quoi et attendre qui? Moi, je demande à ces organismes internationaux. Vous donnez des armes à Denis Sassou Nguesso. Donnez-nous aussi les armes, nous, la diaspora. Vous allez voir ce que nous allons faire avec Denis Sassou Nguesso. Si vous voulez être à l'écart, pourquoi faire ce parti pris? Vous donnez les armes à Denis Sassou Nguesso avec l'argent du contribuable. Et nous sommes là, nous devons aller se battre pacifiquement. Donnez-nous les armes. Donnez les armes au peuple congolais. Vous allez voir ce qui va arriver. Ce qui arrivera, arrivera. Nous demandons, puisque vous ne pacifiquement nous parlant, ça ne marche pas. Vous êtes toujours en train de soutenir le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, nous vous demandons si Denis Sassou Nguesso pense qu'il est plus fort que le peuple. Quittez les armes, venez affronter le peuple congolais sans les armes. Moi, je demande même au peuple africain, au peuple congolais qui sont au Congo là, qui sont en France. Quand vous voyez ces dirigeants en France, frappez-les, humiliez-les. Ils ne sont pas plus forts que vous. Ils ne sont pas plus forts que le peuple. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se promènent avec les gardes du corps. C'est pour ça qu'ils se promènent avec les armes. Vous pensez qu'une personne comme Ndenge, une personne comme Okemba, une personne comme Denis Sassou Nguesso, ce camp de Denis Sassou Nguesso, vous pensez qu'aujourd'hui, on me met devant ces gens-là sans leurs armes. Ils vont me faire peur, moi. J'arrive à leur parler sans les armes. Mon arme, c'est ma bouche. Mon arme, c'est mon intelligence. Mon arme, c'est mon courage. Je ne fais pas l'intimidation. Je ne viens pas avec mes armes à demander à l'armée ou aux policiers. Pourquoi vous vous promenez d'ailleurs avec les security guards? Pourquoi? Parce que vous avez peur du peuple. Parce que ce peuple-là vous fait peur. Promenez-vous comme nous sommes seuls. Nous craignons rien. Promenez-vous librement comme nous. Je pense que le jour que Denis Sassou Nguesso était né, avec ce Moué Bara là, en tout cas la mère Moué Bara là, je te maudis là où tu es. Parce que nous envoyer un diable comme ça, nous envoyer un pédophile comme ça, nous envoyer un assassin génocidaire terroriste de Denis Sassou Nguesso et bébé à maman na yo Denis Sassou Nguesso. Nazo banga yo te. Nazo banga yote, nazo senga ba mama nyoso, bino la police, l'armée ya Congo wana. Bozo ko protéger moto ya zo ko monisa ba famille na bino pasi. Vous avez besoin juste de retourner un seul coup, ce monsieur-là va mourir. Aza beton te, aza pe li banga te. Pourquoi vous protégez une personne qui est en train de faire souffrir vos familles? L'armée congolaise. Botelema. L'armée congolaise et tout manga nazo mené devant au nazo remené au nazo mené ezali pona yo policier ezali pona yo armée ezali pona yo famille congolaise ezali pona yo ba congolais ne so peuple congolais la jeunesse bino nyonso nazo ko bundela nde bino nazo bundela peuple nazo bundela peuple nazo senga na bino nyonso ba mama ya Congo botelema. Et ça, c'est un mot à mon année pour accompagner bonheur à Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est un mot à mon année pour accompagner les bota à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, richesse na bangwana. Et ça, richesse ya yo policier. Et ça, richesse ya yo militaire. Et ça, richesse ya yo mwana mboka. Et ça, richesse ya yo étudiant. C'est ton argent que ce gouvernement-là utilise pour te torturer. C'est ton argent que ce gouvernement-là utilise pour te torturer. Donc, il est temps de se lever. Mettez-vous en tête que Denis Sassou Nguesso est rien. Ce qu'il utilise, c'est vous. C'est nous. Biso totozali normalement, tozali to commander bango.
Parce que un gouvernement est là pour servir le peuple, pas pour se servir. Il y a biso échangea quand? Il y a biso échangea quand et comment il y a la politique pour nous se servir. Donc, nous avons invité Bino surtout les Congolais. Nous avons le banabino mi colonio so. Bo telema, bo bundela mboka na bino. Moto ya koya ko bundela bino na mboka wana azalite. Bo tika buzoba. Bo tika ko banga. Bo bundela mboka na bino. Le Congo, un pays pris en otage par Denis Sassou Nguesso. Depuis plus de 40 ans, Denis Sassou Nguesso n'a rien développé. Il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de développement. Depuis 40 ans, le Congo est dirigé par ce reptilien, par ce criminel, ce terroriste de Denis Sassou Nguesso. Tout le bateau, le bateau. Et puis, vous savez que l'élection, c'est ma élection. Vous savez, on a beau na bami tout na bino. Oh, le bateau, c'est une élection pendant que nous avons les familles, bo ba koufa, ba koufa pendant ma kamba élection, tout le monde a clarté. Hein? Le poule est envahi, massacré. L'oiseau, le bel côté, le Congolais est privé de tout. Vous venez nous parler des élections. Mais oh, non, petit cabajeux. Petit cabajeux. Denis Sassou Nguesso doit dégager. Denis Sassou Nguesso doit dégager. Et ça, n'est pas simple. Tozali sous n'a besoin ya Denis Sassou Nguesso te. Eza na moto moko alingi sous Denis Sassou Nguesso te. Comment on appelle les institutions internationales, les organismes internationaux, il n'y a plus personne qui veut de Denis Sassou Nguesso. Nous ne voulons plus de Denis Sassou Nguesso. Nous voulons pur et simplement que Denis Sassou Nguesso quitte ce pouvoir, que Denis Sassou Nguesso dégage. Nous demandons aux Français, nous demandons aux autorités internationales, si vous ne voulez pas rentrer vous ne voulez pas aider le peuple congolais, alors ne financez pas ne financez pas, n'accompagnez pas Denis Sassou Nguesso dans ce mal. N'accompagnez pas Denis Sassou Nguesso ou donnez de l'argent à Denis Sassou Nguesso, les fonds à Denis Sassou Nguesso d'acheter des armes pour venir nous tuer, nous le peuple. Qu'avons-nous fait à Denis Sassou Nguesso? Qu'avons-nous fait au gouvernement français? Qu'avons-nous fait à ces autorités occidentales? Si vous ne voulez pas rentrer dans notre, parce qu'aujourd'hui, si le Congo se développe, ça serait le bien pour ces pays occidentaux, pour la communauté internationale, parce que le peuple va vous reconnaître. Mais ce que vous faites, vous n'êtes pas en train seulement vous êtes en train de favoriser le terrorisme et l'insécurité dans vos sols. Sur votre sol, vous êtes en train de favoriser cela. Parce que quand nous avons la misère chez nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous venons chez vous. Et quand nous venons chez vous, nous n'allons pas vous respecter parce que c'est vous qui avez favorisé notre départ. C'est vous qui avez favorisé l'exode que nous, les Africains, nous sommes en train de faire pour venir dans votre pays. Alors, c'est pour ça que nous demandons aux autorités internationales de nous aider la diaspora, aider le peuple à se battre et à faire dégager ces gouvernements de la dictature. Et cela n'est pas seulement le cas du Congo, cela est le cas de beaucoup de peuples d'Afrique. Le peuple congolais. Peuple congolais, je veux vous dire une chose. Vous savez qu'il est mieux de connaître son ennemi que de ne pas le connaître. Et nous, le Congolais, on connaît déjà notre ennemi. On connaît notre virus du mal. Le virus du mal du Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous ne devons pas chercher de gauche à droite. Notre virus est Denis Sassou Nguesso.
Si, quand on ne connaît pas son ennemi, il est facile que l'ennemi vous fasse du mal. Mais nous, aujourd'hui, le peuple congolais, on connaît notre ennemi. On connaît qui est notre mal. On connaît notre diagnostic. D'où vient notre maladie, d'où vient notre misère, d'où viennent tous les malheurs qui nous arrivent. C'est Denis Sassou Nguesso. Vous savez, peuple congolais, pour les jeunes qui ne savent pas qui ne savent pas cela, Thomas Sankara avait été assassiné par Blaise Compaoré. Mais pourquoi ça a été facile à Blaise Compaoré d'assassiner Thomas Sankara? Parce que Thomas Sankara ne savait pas que Compaoré c'était son ennemi. Thomas Sankara avait considéré Blaise Compaoré comme un frère. Sankara ne pouvait jamais manger sans. Il n'y avait pas un pas où Sankara pouvait faire sans la présence de Blaise Compaoré. Mais qui c'est qui avait assassiné Thomas Sankara? C'était Blaise Compaoré. Aujourd'hui, où se trouve Blaise Compaoré? En exil. Parce que le peuple burkinabé a compris que Blaise était dangereux pour ce peuple. Il a gouverné pendant 27 ans et il a fini. Le peuple de Burkina Faso s'est levé pour dégager Blaise Compaoré. Donc, peuple congolais, arrêtez la peur, quittez la peur. Je ne suis pas plus courageuse que vous. Je ne suis pas plus forte que vous. Je ne suis rien qu'un peuple. Je ne suis rien qu'un individu ou une individu qui est en train de se battre pour contribuer à ce combat pour la libération de notre pays. Je ne suis pas celle qui aime l'amour, qui a l'amour du Congo plus que vous. Je ne suis pas plus congolaise que vous. Mais je suis déterminée. Parce que je ne peux plus être une observatrice ou une accompagnatrice de la famille de Denis Sassou Nguesso ou encore du gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui sont là pour le mal du Congo. Alors, peuple congolais, qu'attendez-vous pour faire comme moi? Qu'attendez-vous pour faire comme les indignés 242? Qu'attendez-vous pour faire comme Bernard Pungui? Qu'attendez-vous pour faire comme le frère Ayatonga? Qu'attendez-vous pour faire comme Donald, l'homme du métro? Qu'attendez-vous pour faire comme tous ces combattants, ces vrais combattants de la diaspora qui se battent pour la libération du Congo? Nous avons besoin de la contribution. Nous avons besoin que tout le Congolais contribue à ce combat. Il n'y a pas un Congolais plus que Congolais lui-même. Et il n'y a pas quelqu'un qui viendra se battre pour nous si le Congolais lui-même ne s'investit pas. Donc, je demande au peuple congolais, contribuer d'une façon ou d'une autre. Soyez présents pour ce combat. Vous devez comprendre que notre ennemi est Denis Sassou Nguesso, Congolais. Debout pour se battre pour son pays. Congolais, quittez la peur, car la peur ne nous emmènera nulle part. Sassou est notre mal. Il faut comprendre que Sassou est notre mal. Parce que Sassou est là depuis 40 ans. Nous avons vu quoi? Sassou n'a pas changé les choses au Congo. Sassou n'a pas cette envie, n'a pas cette ambition, n'a pas cette volonté de pouvoir donner le bonheur aux Congolais. Denis Sassou Nguesso est là pour massacrer le Congolais. Denis Sassou Nguesso est là pour priver le Congolais de tout. Denis Sassou Nguesso est là pour faire disparaître même le Congo de la carte. Donc, peuple congolais, debout. C'est maintenant que vous devez vous lever. Vous avez vu que Denis Sassou Nguesso, par cette peur-là, il envoie même les gens, il envoie au lieu d'utiliser l'argent du Congo
au lieu d'utiliser l'argent du Congo pour au lieu d'utiliser les fonds du Congo pour développer le Congo, mais Denis Sassou Nguesso préfère donner de l'argent aux gens pour traquer la diaspora de l'extérieur, pour venir nous fermer les, pour fermer les, nos gueules, pour même venir nous assassiner. Donc Denis Sassou Nguesso, pour ça, je pense que pour ça, il est expert. Donc mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour développer le Congo. 40 ans, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas des... L'université Marien Ngouabi, c'est la seule université qu'on a au Congo. Nous avons pas des... Il n'a pas construit des routes, il n'a pas développé le mode de vie aux Congolais, des Congolais. Le Congolais aujourd'hui, avant le Congolais mangeait trois fois. Aujourd'hui, le Congolais, quand il mange même une fois par jour, c'est une chance. Donc ça, c'est une personne que nous devons conduire encore vers un autre mandat ou encore le groupe qui l'a accompagné. Nos peuples congolais, nous sommes dans l'obligation de se battre pour que ce Congo-là, pour dégager, faire dégager Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas là pour, on n'est pas là pour accompagner ou pour venir servir Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous devons nous lever. Le Congo ne s'est pas développé en 40 ans de gouvernance de Denis Sassou Nguesso. Le Congo s'est pas émergé. Il n'y a pas eu de développement au Congo. Si ce n'est pas l'insécurité, si ce n'est pas les massacres, les guerres, les viols, je le répète tous les jours. Donc, ma maman Bandeko, Tozan a besoin, Bissonnio Soto se mobiliser pour Longola, Denis Sassou Nguesso. Pour Nako, Denis Sassou Nguesso a zoko brutalisé Bassi. Denis Sassou Nguesso a zoko brutalisé peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a eu 4 millions y a peuple congolais na otage. Botozali wana tozo lobe lo côté. Peuple congolais, Tolamouka, libération ya Congo eza na maboko na biso. Libération ya Congo eza na maboko na biso. Le Congo peut parler aux élections avec Jean-Marie Michel Mokoko qu'on a emprisonné depuis 2016, alors que c'est le président élu. Un pays démocratique, vous voyez qu'un président élu est en prison pendant 3 ans, maltraité, privé de liberté, privé de lumière, privé de soins médicaux. Et Bissopeba Congo, tu vends une épisode aux autres à la caca. Lelo eza tour à général Mokoko. Ezala ki tour à Bansuru, ba bomi Bansuru. Ba bomi batenu surtout ba o Denis Sassou Nguesso zo boum. Mais le bi par okoma pe kanabino. Donc to kou fambala moko to sa la révolution o eko sa la ke to libere mbo kanabiso. Bon mona na Soudan, na Algérie, na ba Égypte. Bango nyo so bazo sa la révolution. Bongo biso ba na Congo, to zo koko sa la révolution te. Nous sommes en Congo, nous sommes côté le matin, individu moko bakamati biso na otage, individu moko kamati 4 millions, ba mama na zoko senga binobo la muka, ba mama ya zando, ba mama ya mboka, puisque ba zoko privé bino kuto, na ba zando bozo kende pona bo sala bo nourrir ba famille na bino, ba zo pe sa ba mibal na bino ba salaire te, ba zo pe sa bana na bino bourse te, mais malgré Bozo kende na bazando po na boteka po ke bozwa mwa mbongo wana bo servi ba fami na bino. Bo boko la libota na bino. Ne sa so azo ko respecte meme ba droit wana te. Azo ko respecte po na pe sa bino espace wana te. Po vandi ba mama penza bo vandi. Bo vandi penza bozo tala ba Denis Sassou Nguesso azo ko viole ba na bino na miso na bino. Denis Sassou Nguesso azoko boma bana na bino na miso na bino. Denis Sassou Nguesso azoko kufisa bino nzala bozali wana bovandi penza ba mama bovandi. Ama wa mingi. Kongo ya Kongole azaki na courage akeyi wapi.
policiers bozo kufa nzala ba tenue si et toboka ba ma pape se toboka bo vandi wana bozo servir moto ya zo komoni sabino pas bo kamu singayi hein? Bo kamu singayi peuple ya ndenge nini le ba boke tu peuple ya ndenge nini peuple ya zo ba ndenge nini wana individu moko azo komoni sabi 4 millions d'habitants 4 millions ya ba congolais individu moko groupe na bango ya muke wana ezo komoni sa 4 millions boye bisanga soki le lot denis asunge soza azala ki ata 1 million kasi na kanji to sto moni bonheur donc ça veut dire que ezali groupe même ba kokisi même 100 000 personnes te mais bazo moni sa ba congolais 4 millions de congolais bazo moni sa bino passe bo vandi bozo tala bana na bino bazo ko violer bozo tala eh ba mama ah ba mama bo memi bazemi pona likolo bo lokumu ya ba mama esila lokumu ya ba mama esila ah ba mama nazo benga bino bo telema bo lakisa ba mabumu soki fo bo lakisa ba ba mabolo bo lakisa bo excusez ngai bo lakisa bokoki koya kotika Denis Sassou Nguesso na nani wana te bokoki koya kotika Denis Sassou Nguesso na kacha na boyaka pona ko accompagner Denis Sassou Nguesso te Sassou Nguesso azo boma bino bana bozo tala ati baba kamati ba famille na bango ndo sobati na pouvoir ba mwamba ba koma bato bazo sa ba koma ko fuka masasu lokola lokola Jésus lokola Nzambe ba wili etoka ba koma bokoma ko fuka mabango ba buya boteki mboka na bango nso boteki mboka na bamvwa vwamba boteki mboka na ba wili etoka na ba buya na ba kikingeso na ba wilingeso na ba Claudia ngeso na ba ndenge na ba okemba. Vous avez vendu le pays à ces individus-là. Vous leur avez fait cadeau de ce pays. Peuple congolais, tout élément. Tout élément. Batouana, il faut tomber ma bango na justice. Mon colo Congo est se libérer. To kamati bango, to kangi bango penza. To kangi bango penza. Baza makasi ko leka bisote. Baza pe makasi ko leka peuple te. Il faut tout télémato libérer Congo. Bon, comment on a que ceux qui le lobe batouana bakéi Congo et kozoa bonheur, Congo et kozala et kovive. Na on a na crédibilité nous. Congo et kozala na et kozala kitoko. Bon, moni siko ba comment on luka biso bisika na bisika pour na baya ko koko. Ba zo luka ba diaspora. Bazoko utiliser ba diaspora bazoko utiliser ba ndenge na ndenge ba faire travailler ba diaspora mais sous ba faire diviser ba diaspora pour que tous à la diviser bango ba prospérer non boko zo boyo ndenge ba loba révolution na kati ya désert là même nzamba kende ko délivrer Égypte ezali na boyo ba koma na boyo ba koma te donc etumba oyo kozala boyo ba kozala makasi ba kolonga boyo donc on ndenge ba loba Ba fwa, basala. Mwana Congo ane oyobwe. Toza la bisonyo soto, tele ma bisonyo soto elongo. Le 5 juillet, Denis Sassou Nguesso komi mbeya mbeya. Azo ko tambo la bisika na bisika pona ko luka mbongo. Donc eloko na ye, azo sala pona ko yaka ko maîtrise, pona ko yaka ko influencer le peuple congolais wana kaka minduki Denis Sassou Nguesso ayebi kaka minduki donc mwana Congo zala prêt to bunda ya ye minduki comme ça ndenge asoka ko boma aboma biso surtout elongo moko et communauté internationale eyeba misala ya mabe ya Denis Sassou Nguesso ba yebi na bango mais bazoluka biso ba congolais to zala ya ko telema parce que le Denis Sassou Nguesso a koki ko tambola bisika nyoso na makila ya ba congolais na maboko te la France azali na azana complice ezana groupe ba français azali na gouvernement ya ba français o ezo ko protéger gouvernement ya Denis Sassou Nguesso nazo senga bino bana Paris leur bozo mona
ba bato wana bazo ya kakuna bo beta bango bo humilier bango bo humilier bango vous pouvez si bango bazo kokoka ko développer ba l'hôpital kuna te bazo ko sala ba soin na France pour nanini bazo ya ko sala tinda bana na bango na ba l'école pour nanini bazo tinda ba basi na bango na ba vacances na France pour nanini bo humilier bango bo beta bango ngamo kona ko kutana na mwana moko ya oyo ba tindi ya gouvernement ah na kanisi toko baluka toko beta na ba makofi moko ya kusakana te mokolo na ko kuta mwana ya Congo oya za na kati ya gouvernement na kati kotenga na zali toko beta na makofi to bongo to kende soki sango na tribunal lokola totali na pays ya droit na koyeba pona nini na koyeba ko se défendre pourquoi je l'ai fait donc peuple congolais ndenge tozo loba bolamuka biso tozo na bolingo le bolingo ya mboka koleka binote biso nso tozali na bolingo ya mboka mais il faut to bunda biso nso to elongo pona ko libérer ba mboka na biso donc batika ya misamu wana bazoya kana ba aventure na bango ba Andrea Gombe wana bazoya pona ba aventure na bango ba Modilu o basali ba o bazali gouvernement ya opposition lokuta na bango ba Modilu ba Makome ba soki ba kombo yango tikana luka nani yango comment parfois il faut to koma yango na mwa papier ba Modilu voilà ba Tikaya ba Andrea Gombe ba Makome ba bango nyoso tu wana ezali nango opposition fabriquée par Denis Sassou Nguesso donc biso bana mboka to la mboka to yibika ke bato wana bazana biso te tokoki kotika Congo hypothéqué na mwa groupe ba congolais na mwa groupe ya Denis Sassou Nguesso ba memaka biso na ndenge bango balingi te donc le moment est arrivé de se lever malgré que bazo tinda ba koli piégé et pas ya ba frère na biso na et pas frère nanga frère na biso Ayatonga Isidore Ayatonga bazo ko lukayina ba moyen nyoso bazo luka ko ba moyen nyoso ba indiné 242 ba Bernard Pongi ba tini ba infiltré belé pona ko landa biso bisika na bisika mais tozo sala musala nzambe tozo sala musala za ya peuple congolais tozo sala musala oyo tolingi to libérer Congo donc libération ya Congo ezali na maboko ya yo policier, ezali na maboko ya yo militaire congolais, ezali na maboko ya yo peuple congolais, ingeta. Moi na Congo nyoso le 5 juillet zala pre Denis Sassou Nguesso akozala na verdict entre FMI na Denis Sassou Nguesso, soki ba kopesa ye mbongo oyazo kendo luka pona ya ko bumali susu ba congolais, soki ba kopesa te. Botia biso nso tuna ba prière. Bon prier pour la mboka ya Congo pour na to libérer mboka na biso le peuple gagne toujours et na yebi que to ko gagner ingeta